Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, au moment d'ouvrir notre séminaire sur la transition démocratique en Tunisie, mes premières pensées sont pour mes compatriotes tunisiennes et tunisiens qui ont payé de leur vie leur combat pour la liberté et la dignité. Je pense tout autant en cet instant aux combattants de la liberté en Libye, bien sûr, mais aussi au Bahreïn, au Yémen et jusqu'en Iran et en Chine. Tous sont portés par le souffle de notre révolution. Leur combat est le nôtre. Et je vous propose de leur rendre un hommage solennel en respectant une minute de silence. Au-delà du processus de transition complexe, toujours fragile, qu'il faudra défendre et aménager sans répit, et dont nous allons débattre tout au long des 2 jours à venir, permettez-moi de dire l'intense émotion qui saisit la simple militante des droits humains que je suis. J'ai en effet l'immense privilège de vivre un moment de bonheur partagé où le combat d'une vie rejoint, se fond et est porté par une vague exaltante où Tunisiennes et Tunisiens de tous horizons ont mené leur révolution à une première victoire, celle de ne plus avoir peur. Enfin, le droit de s'interroger, quel rôle pour la communauté internationale? Cette dernière, on le sait, a trop souvent été muette devant les atteintes des droits humains et devant les dérives des régimes autoritaires. Il lui faut maintenant voir la réalité d'une autre manière. Ce ne sont pas les dictatures qui sont garantes de stabilité, mais les démocraties. Les États occidentaux ne peuvent plus se réfugier derrière leurs fantasmes pour s'interdire d'accompagner les changements en cours. Ils doivent désormais changer de paradigme et penser autrement leurs relations avec le sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des intérêts, mais des valeurs que nous partageons. Les Tunisiennes et les Tunisiens ont démontré avec éclat qu'elles sont universelles. Chers amis, je vous souhaite d'excellents travaux et vous remercie de votre attention.